Alors bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait, donc excusez-moi, j'étais un peu occupée. Donc là, beaucoup de personnes m'ont demandé comment je faisais mes petits nœuds. Donc genre deux nœuds comme celui-ci, ça c'est un nouveau, un essai disons. Petits nœuds, voilà, des petits nœuds comme ça. Eh bien je l'ai fait moi-même, je pense que ça se voit. C'est pas forcément évident à faire. Du moins à faire, ça va, mais pour qu'il reste droit, c'est pas évident. Donc voilà, c'est tout simple, hein, le truc. Donc vous prenez du Donc ruban. ruban. Prenez votre ruban. Vous faites une boucle. Vous faites un petit nœud, disons. Voilà, il est comme ça. Vous faites votre boucle. Vous faites votre ruban. Et voilà. Donc après, vous l'ajustez comme vous le voulez. Donc sur des créations, il vaut mieux que ça soit plutôt petit. Donc ça donne ceci. Donc là, après, vous coupez à cet endroit-là, puis à celui-là, et votre petit nœud sera fait. Donc petite astuce pour que ça reste bien droit. Vous retournez votre petit nœud, vous mettez un point de colle dans les petites pliures, ainsi que là, pour que ici, pour que la petite branche là, en fait, ne monte pas trop haut. Parce que des fois, ça fait comme ça. Donc ça ne fait pas très joli, normalement, le nœud est comme ça. Donc si vous faites comme ça devrait aller. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la luminosité parce que j'ai changé d'endroit dans l'appartement. Donc du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Encore pire. Enfin, on verra bien ce que ça donne au montage. Voilà, donc ça fait un petit nœud. Après, donc il faut que vous arriviez. Vous pouvez très bien faire le nœud sur le... Sur la chaîne, hein. Moi, ils sont faits sur la chaîne ou sur mes anneaux. Donc là, comme vous pourrez le voir, il y a de la colle ici, de la glu. J'utilise de la glu pour que ça tienne. Donc voilà, ça tient à peu près, disons. C'est pas forcément évident. Certains les achètent déjà tout fait. Moi, je préfère les faire moi-même. Ça fait plus artisanal. Donc voilà pour le petit nœud. Donc maintenant, à vous de jouer. Si vous avez des petites astuces pour les attacher de façon à ce qu'ils restent droits, dites-le moi et dans ce cas, je montrerai aux autres. Donc voilà pour le petit tuto du nœud. À bientôt!